Conseil arcturien. Énergie actuelle affectant les personnes éveillées. Nous avons déjà remarqué les effets des énergies actuelles sur vous tous, sur la planète Terre. Nous avons remarqué que de plus en plus de gens s'avancent et se présentent comme enseignants, guérisseurs et guides. Et nous voulons que vous sachiez que les énergies non seulement vous soutiennent dans cette démarche, mais qu'elles vous aident aussi à vous réunir avec ceux qui bénéficieront le plus de ce que vous offrez. Vous faites tant de choses les uns pour les autres en ce moment parce que vous en êtes venu à reconnaître qu'il y a un besoin d'aide dans la forme physique et parce que vous avez en vous cette compassion qui vous pousse à vouloir rendre service à vos semblables, aux plantes, aux animaux et à notre mère la Terre. Vous en voyez tant sous forme physique humaine qui assume les tâches herculéennes qui attendent l'humanité tout entière, parce qu'il y a un appel et que certains individus savent intérieurement qu'ils sont là pour s'élever et être pleinement eux-mêmes, vrais et entiers. Vous pouvez faire tout ce que vous avez décidé de faire. Vous pouvez croire que vos intentions viennent d'un lieu de connaissance et cette connaissance est que vous réussirez. Peu importe ce que vous voulez faire ou comment vous voulez servir, il y a toujours un moyen. Et lorsque vous avez autour de vous des énergies de soutien qui vous aident à réaliser ces rêves, ces désirs que vous avez, c'est alors que vous co-créez et c'est alors que vous remarquez d'autres personnes autour de vous qui font de même. Vous êtes si puissant lorsque vous collaborez les uns avec les autres. Vous avez cette façon remarquable de vous rassembler dans un but commun pour le collectif de l'humanité. Et ceux d'entre vous qui reçoivent ce message savent qu'ils ont reçu un appel. Vous savez que le moment est venu et vous ne ressentez pas le besoin d'hésiter. Au contraire, vous ressentez plutôt une impulsion et même une urgence à faire ce pas pour guider d'autres humains, pour enseigner d'autres humains et pour guérir d'autres humains. Ceux d'entre vous qui le font continueront à bénéficier des énergies actuelles et s'ouvriront davantage, ce qui revient à être véritablement dans le flux, ce que vous êtes tous là pour expérimenter à votre manière. Alors, écoutez votre guidance intérieure, votre vérité intérieure. Suivez votre intuition et ne vous souciez pas de ce que font les autres. Ils peuvent vous inspirer, mais ils ne sont pas là pour être comparés. Au fur et à mesure que vous accueillez l'aide qui vous est offerte, vous comprenez ce que signifie fusionner le physique et le non-physique de la manière la plus belle et la plus harmonieuse qui soit. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.